C'est le premier candidat à l'élection présidentielle de 2016 au Gabon au lendemain de sa déclaration de candidature. Gabon News est allé à la rencontre d'Abel Mbombé Nzondo dans sa modeste habitation de la commune d'Akanda pour une interview exclusive. Je me porte candidat à l'élection présidentielle de 2016, c'est pour plusieurs raisons. La première raison reste la situation socio-politique et économique de notre pays, qui souffre d'un manque d'explication à nos populations. La deuxième préoccupation nous amène tout de suite à le manque de patriotisme des hommes politiques. Il n'est pas un novice en politique pour avoir déjà pris part à plusieurs échéances électorales, même si ceci était sous la bannière d'autres formations politiques. J'étais candidat en 2001, à première élection, dans le département de Logoulou-Mimongo, où je suis issu. J'étais candidat en 2013, pour les élections locales dans le compte, plutôt pour le deuxième arrondissement de Libreville, dont j'étais tête de liste. Si jamais il est élu à la présidence, son premier projet n'est plus un secret pour les Gabonais. Je pense une chose, dans ma vie et dans la vie de tous les jours, c'est d'abord à amener les Gabonais à être tribuns. Tête de liste du CLR aux dernières locales dans le deuxième arrondissement de Libreville, sa candidature pourrait générer des mésententes au sein de sa famille politique.